Salut Log, aujourd'hui je suis avec Joe Faux de Phobus Nutrition. On est venu tourner un podcast, faire un workout. Et c'est ça, fait que Joe, explique-nous qu'est-ce que tu fais ici. Dans le fond, ici c'est le magasin de suppléments. Le gym, le 100% privé, il est juste l'autre bord de la boutique. Mais côté suppléments, dans le fond, on est vraiment exclusivement, là, je dirais 95% juste des compagnies québécoises. On a vraiment de tout. Fait que n'importe quoi que vous cherchez, on l'a en magasin. Pas mal toutes les compagnies les plus populaires, Québec, Canada, on les a aussi. Sinon, une chose importante, si vous voulez sauver un petit peu sur vos dépenses de suppléments, venez les vendredis. On est les vendredis Phobus à chaque vendredi de la semaine, à chaque vendredi de chaque semaine dans les deux magasins. Fait qu'autant Laval, autant Saint-Eustache. En passant, c'est les mêmes produits aussi. Puis le vendredi Phobus, c'est les deuxièmes articles à 50% tout le temps. Fait que si vous avez besoin de quoi que ce soit, venez nous voir. Alright, fait que on va faire podcast, puis après ça, workout de bras. Yes. That's it. C'est ça, avec le premier, tu mets ton tricep en position courte. Donc la meilleure affaire pour le bicep, fait que là, tu vas curl. Ouais, t'essaies de spinner au max. Le plus possible tout le temps. Ouais, c'est ça. Le petit contact avant de partir. Le petit coup de l'eau en fait. C'est tout le temps comme si t'avais une porte de char d'ouvert, tu poussais dessus, okay. Fais de la tension dans l'articulation, fait c'est là un bras après. En temps normal, ça serait supposé être. T'es trop lourd. Mais tu sais, si tu fais genre ça ici, okay. Là ça, tu vois là il est contre le plafond là. C'est okay. Bien je veux dire. Fait qu'il faut que le coude soit vraiment vers le plafond. C'est ça, comme ça ta force est direct mise sur ton. Ok. Ton muscle. C'est lui si tu sens mieux. Ouais. Pis là, il pointe vers là-bas. Ouais, c'est ça, il est comme. Tu vois, il est. Ouais, là, il est pas prêt. Mais tu sais, ça te met dans une position qui est inconfortable parce que si tu mets ton dumbbell au bord. Ouais, ok. Comme j'expliquais à Joe, c'est que tu sais quand tu coupes, tes coudes sortent vers l'extérieur. Ta tension est pas placée directement sur le bicep, ça fait qu'à la place, on va faire un bras à fois, mais ce que ça fait un bras, c'est que tu peux amener le coude directement avec le sol, tu vas plusieurs équipements du bicep quand tu fais ça, puis tes alternes, tu sais. Si quand tu es dans la position de curl, tes coudes sortent vers l'extérieur, tu sais. Un gars gros comme Joe, c'est sûr que tu veux pas, il y a les lattes dans la place, il y a les pecs. C'est plus dur de se mettre vraiment rentrer les coudes le plus possible. Fait que faut t'adapter l'exercice avec ta morphologie aussi. Alright, donc là ce qu'on va faire un one arm agable extension, ce qu'on va faire, on va atteindre l'échec musculaire, après ça on va faire plus de demi-reps possible, après ça on va s'aider avec une main, on va faire le concentrique à deux mains, on va retenir une main, on va faire une surcharge excentrique jusqu'à l'échec musculaire, seulement derrière la série. Alright, workout fini, avec une bonne pompe, un peu. Ouais, on va faire un pouce de plus. fait que c'est ça, tu sais, quand on a fait le workout, on a travaillé en activation au début, le coude en arrière. On a été joué le coude un peu plus vers l'avant que les dumbbells. De toute façon, on est revenu entre les deux. C'est sûr qu'à rajouter un autre exercice, on aurait travaillé peut-être plus au-dessus de la tête.
Mais là, on a pas mal fini. Et pour les biceps, même chose, on a commencé ici. Après ça, on était joué le bras à côté, puis on a joué le bras en arrière. On varie aussi au niveau des courbes de force. Fait que tu sais, pas besoin de faire nécessairement un gros volume d'entraînement quand tu choisis les bons exercices, puis bon, les bonnes courbes de force, puis les trucs. Puis on a travaillé avec une méthode de surcharge excentrique à la fin. Fait que c'est pas mal ça. Fait que bon workout. Fait que Joe, est-ce qu'on peut te suivre? Fait dans le fond, suivez-nous sur Phobus Nutrition, Facebook, Phobus Nutrition Laval, Phobus Nutrition Saint-Eustache, Instagram, Phobus.nutrition. Vous allez avoir tous nos détails, nos services, ces affaires-là, tout ce qu'on offre. Puis, ben merci à toi. C'était fou. Merci beaucoup. That's it. Fait que, merci d'avoir écouté. On se voit dans un prochain vlog. Yeah.